bienvenue dans Brève de Tabarn. Aujourd'hui, on est avec Jérôme du groupe Kenderby. Bonjour Jérôme. Bonjour Norbert, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc Kenderby, groupe de Fechnoz. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Kenderby, puisque là, c'est vos 20 ans. On fête nos 20 ans, oui. On fête nos 20 ans. Donc, alors Kenderby, c'est un groupe de 7 musiciens qui existe effectivement depuis 20 ans. On est donc 7 musiciens. Kevin Cola à la bombarde et à la clarinette, au saxophone. Romaric Bouget à la trompette. Moi-même à l'accordéon, Jérôme Leborgne. Gaël Lebezec est au violon, Vincent Valois à la basse, Florian Kergourlet à la guitare et David Rabillet aux percussions. Voilà. Bon, bah, très bien. Donc Kenderby, comment tu pourrais définir le style? Parce que vous faites de la musique à danser de Fechnoz, mais c'est vrai qu'il y a les colorés. Alors il y a plusieurs influences, hein, musique des pays de l'Est, un peu de musique de cirque, et puis aussi plus récemment musique d'Amérique du Sud. Oui, c'est ça. Alors bah, du coup, le style a pas mal évolué. Là, on fête nos 20 ans, je le disais. Et au tout début, effectivement, on s'est intéressé à... Bon, on a fait, comme tous les groupes de Fechnoz, on a commencé par un peu imiter les autres groupes. On écoutait beaucoup Skedus, Carré Manchot, voilà, les grands groupes qui tournaient et qui tournent encore, évidemment. Et on s'est inspiré beaucoup d'eux. Et puis, au bout d'un certain temps, on a eu envie de faire une musique un peu plus personnelle. Et à cette époque-là, donc il y a une quinzaine d'années, on s'est intéressé aux musiques de cirque, aux musiques d'Europe centrale. Moi, je suis allé me promener pas mal dans ces pays-là. C'est des pays que j'aime beaucoup, la Bulgarie notamment. Et du coup, on a commencé à mélanger un peu les influences, donc la musique bretonne avec des influences qui venaient de ces pays-là. Et on a sorti un premier album en 2004 qui était vraiment très empreint de ces influences-là, autour du cirque, avec une pochette vraiment qui représentait un chapiteau de cirque. Donc ça, c'est le premier album, Ici à minuit, qui est sorti en 2004 avec une grosse scène à Yavank 2004 dont on a un souvenir énorme. C'était vraiment une super scène, ça, un très très bon moment avec des artistes qu'on avait invités pour une formule qu'on avait appelée Kenderby et compagnie. Il y avait des clowns sur scène avec des grandes marionnettes, il y avait également des danseuses orientales, une danseuse flamenco et puis deux musiciens également, Nordine et Alami à la derbouka et au oud. Et donc là c'était effectivement du coup avec d'autres influences, donc du Moyen-Orient et puis l'univers du cirque dont je parlais, la musique d'Europe centrale, des morceaux qu'on joue encore comme la Magic Circus Gavotte qui sont apparus à ce moment-là. Voilà. C'est vrai que c'était un spectacle complet aussi, très très visuel. Ah oui, on a... Vous étiez bien amusé à l'époque à faire ça. Oui, on a pris beaucoup de plaisir avec Kenderby et compagnie. Là, du coup, on est passé à autre chose depuis, mais ça reste un souvenir super. Vous êtes connu aussi parce que vous faites, voilà, pas que, mais du terroir rennais. Vous n'êtes pas nombreux à faire du terroir rennais. C'est vrai. Je sais que ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, apparemment. Ah oui, effectivement. Donc ça, c'est parti d'une envie au début de s'amuser, en fait. Moi, je donne des cours d'accordéon diatonique et puis dans le cadre de mes cours, je peux parfois donc proposer des danses diverses et variées et parfois des danses où les mélodies sont un petit peu simplettes. Et puis des fois, on s'amuse à délirer un petit peu musicalement avec Kenderby, et puis à se dire, tiens, on pourrait en faire quelque chose d'autre. Donc là, tu as commencé à en parler tout à l'heure, Norbert, mais effectivement, depuis un peu de temps, on est un peu plus autour des influences latino. Et un jour, par exemple, j'ai eu l'envie de reprendre le carillon, qui est donc une danse du terroir rennais, et puis de l'agrémenter un petit peu façon cha-cha. Donc, on a commencé à délirer un petit peu autour de ça et puis on a vu que ça sonnait plutôt pas mal avec un guiro, avec des congas et tout de suite il y avait une autre ambiance et la mélodie un peu simplette de départ, et ben, du coup on l'oubliait un petit peu.
ou du moins on lui donnait un nouveau souffle. Donc effectivement, au départ c'était pour s'amuser, puis maintenant on assume pleinement, on revendique le fait de, pas seulement parce qu'on est originaire de Rennes, mais évidemment ça en fait partie, mais aussi parce que c'est un terroir qui n'est pas beaucoup représenté, et puis donc il y a cette double envie en fait, de revendiquer un terroir dont on est originaire, et puis redonner un nouveau souffle en fait à ces musiques-là qui sont un peu mésestimées ou pas tellement pratiquées déjà en festival, ça c'est sûr. Et puis de s'amuser avec, voilà. Style, la patte Kenderby, parce que c'est vrai que vous mélangez des styles, comme tu disais, avec c'est de la musique traditionnelle à danser, mais avec des influences extérieures. Voilà, c'est ça. Ça, c'est quelque chose depuis le début que vous faites, mais... Oui, clairement. Et que vous voulez continuer ça. Ah oui, ça, on s'amuse avec ça. Et puis, il y a vraiment une envie aussi maintenant, de plus forcément copier, pas forcément copier les autres groupes. Et donc, c'est de cette manière-là en fait, qu'on peut vraiment apporter du neuf. Donc, la musique traditionnelle qu'on a pratiquée, qu'on continue de pratiquer en l'état, parce que elle fonctionne comme ça. Souvent, la musique traditionnelle de base, c'est ce qui fonctionne le mieux pour le pad, pour les danseurs, quoi. Donc après, il faut prendre beaucoup de précautions. Dès lors qu'on la dénature un peu en apportant d'autres influences, on court toujours le risque en fait d'avoir quelque chose de beaucoup moins clair au niveau de la dansabilité. Mais en même temps, c'est une façon aussi de redonner envie d'écouter ces musiques-là. Et puis de le moderniser. C'est ça. Et puis de donner envie à des gens peut-être qui seraient moins proches de cette culture-là, qui n'auraient peut-être pas envie d'écouter du traditionnel pur, que ça n'intéresserait pas parce que c'est un peu fade peut-être à leur goût, et qui pourraient avoir envie d'y arriver parce qu'il y a des influences plus modernes, plus alléchante, on va dire, dans l'écoute, et qui, par contre, après, vont peut-être avoir envie d'aller aux sources et puis d'écouter des choses peut-être plus traditionnelles avec un son un peu plus rustique. Et dans ce cas-là, c'est super. Moi, je serais ravi qu'il y ait des gens à arriver à des choses un peu moins faciles à écouter parce qu'elles ont commencé par nous écouter, nous, et puis après, elles ont eu envie de savoir, par exemple, comment était joué le carillon avant. Aussi 2019, c'est les 20 ans de Kenderby que vous allez fêter. Alors le rendez-vous, c'est en septembre. C'est ça, voilà. Donc on a calé la date, le samedi 28 septembre 2019 à 20h30 à la salle communale de Bréal-sous-Montfort. C'est le centre culturel de Montfort. Donc c'est dans le centre de Bréal-sous-Montfort. Et donc ce soir-là, on organise un grand fest-noz anniversaire. Donc on co-organise avec l'association La Parbat de Bréal-sous-Montfort, et on a fait une affiche digne d'un anniversaire, d'un 20e anniversaire, avec Digresque, avec Landa Moisson, avec Blin-les-Ours, avec les sonneurs Riopelle-le-Roi, avec également les Trenchocs, qui sont donc un groupe de La Parbat, et évidemment Kenderby en milieu de soirée avec plein de surprises. Alors, pour les fans,
Il y aura aussi des anciens de Kenderby? Alors, on en a pas mal discuté, mais non. Les anciens pourront être présents dans la salle et tout ça, mais on a déjà prévu plein de surprises. Donc là, évidemment, il y aura d'autres surprises, mais ce ne seront pas avec les anciens de Kenderby. Il aurait fallu caler des répétitions, tout ça, ça aurait pris un peu de temps. Voilà, on n'est pas parti là-dessus, mais par contre, franchement, il y aura des surprises. Eh ben, il faudra aller à Bréal, donc fin septembre, pour voir l'anniversaire de Kenderby. C'est ça, le samedi 28 septembre. Les gens arrivent déjà par avion, donc c'est bien, il y aura beaucoup de monde. Voilà, arrivez de bonne heure, parce que là, ça arrive déjà. Bah oui, apparemment, ils commencent à se garer déjà. C'est ça, à l'aéroport. Eh bien, écoute, Jérôme, merci beaucoup. Merci, Norbert. Donc, on donne rendez-vous à tous les fans aussi sur Internet, sur le site kenderby.fr.